فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام، والسلام، والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc cette invocation, les enfants, comme vous le savez, c'est une invocation que l'on dit lorsque l'on rentre dans la mosquée. Et lorsque l'on rentre dans la mosquée, on dit Bismillah. Répétez Bismillah. Bismillah. Bismillah, c'est une parole très importante. Par cette parole, tu demandes à Allah de t'aider. C'est-à-dire que lorsque tu rentres ici à la mosquée, pourquoi tu rentres à la mosquée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire à la mosquée? Naam. Oui. Tu fais quoi à la mosquée? Alors, tu vas apprendre des choses. Également, oui. Qu'est-ce que tu fais à la mosquée? Alors, tu apprends à parler arabe, tu apprends la langue arabe. Très bien. Oui, Jawad. Tu fais la prière. Oui. Naam. Oui, Mohamed. Ibrahim, pardon. Alors, tu fais la prière, tu lis le Coran, etc. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses à la mosquée. Vous êtes d'accord ou pas? Mais toutes ces choses-là, j'ai besoin qu'Allah m'aide. Si Allah ne m'aide pas, est-ce que je pourrais réussir les choses que je fais? C'est pour cela que lorsque je dis Bismillah, répétez Bismillah, Bismillah, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider. Je demande à Allah azza wa jal de m'aider. C'est pour cela que dans la prière, qu'est-ce que l'on dit? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Répétez. Iyaka na'budu, ça veut dire que tu adores que Allah. Tu dis à Allah que c'est lui le seul que tu vas adorer. Comme quand tu dis La ilaha illallah. Et lorsque tu dis Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont j'implore le secours, dont nous implorons le secours, ça veut dire quoi? Que lorsque tu as besoin, et dans toutes les choses de ta vie et de ta religion, tu as besoin de demander l'ada. Puisque seul Allah Azza wa Jal, seul Allah Tabaraka wa Ta'ala peut te protéger, peut te préserver, peut t'aider, puisqu'il voit tout. Qui voit tout? Allah. Qui sait tout? Allah. Qui nous surveille partout où nous Allah. Sommes? Qui sait tout? Allah. Qui entend tout? Allah. Qui contrôle tout? Allah. Qui gère tout? Allah. Qui est le plus fort? Le plus puissant, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qui est le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'avant de rentrer dans la mosquée, je dis Bismillah. Pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider. Pour demander à Allah azza wa jal de m'aider. Et cette parole Bismillah, je la répète dans différents endroits et moments. Premièrement, on va en citer quelques-uns, puisqu'il y en a plusieurs. À quel moment je dis Bismillah? Avant de faire mes ablutions. Retenez. Avant de faire les ablutions, avant de commencer, et comme vous le savez, on fait ces ablutions avant même de venir à la mosquée. Qu'est-ce que je dis avant de faire mes ablutions? Je dis Bismillah. Au nom d'Allah, c'est-à-dire que tu demandes l'aide d'Allah, tu fais tes ablutions au nom d'Allah. Avant de manger, qu'est-ce que tu dis? Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de t'aider par cela. Avant de boire, qu'est-ce que je dis? Bismillah. Avant de me déshabiller, qu'est-ce que je dis? Bismillah. Avant d'entrer aux toilettes, qu'est-ce que je dis? Bismillah. Exactement, je dis Bismillah. Allahumma inni a'udhu bik min al-khubuthi wal-khaba'ith. Donc les enfants, avant de rentrer dans la mosquée, on revient à notre invocation. On dit Bismillah.
والصلاة والسلام أحسنتم. Alors on s'arrête ici. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ben ici, une fois que tu as dit bismillah, tu entres dans la mosquée avec ton pied droit. Faites voir votre pied droit. Ouh là là, tous des petits pieds. Très bien. Lorsque tu entres dans la mosquée avec ton pied droit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ça veut dire qu'ici, tu vas demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, tu vas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de prier. Comment? Est-ce qu'Allah il prie? Est-ce qu'Allah il prie comme nous? Ben non, nous on prie Allah, mais Allah il ne prie pas. Quand on dit « wassalatu », quand tu demandes à Allah de prier sur le messager d'Allah, ça veut dire que tu demandes à Allah de lui faire ses éloges, de parler en bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu demandes à Allah de préserver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes à Allah de le protéger. Tu demandes à Allah de le préserver plutôt contre toutes les mauvaises choses. C'est ça le salam. C'est pour cela que lorsque je vous dis assalamu alaykum, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire salam alaykum? Que veut dire assalamu alaykum Mohammed? Alors, que la paix soit sur vous, ça c'est, on va dire, une traduction mot à mot. Mais en réalité, c'est bien plus profond que cela. Écoute bien, Mohammed, et écoutez tous les enfants. Quand tu regardes ton camarade, ou tu regardes ton mu'allim, ou ta mu'allima, ou ton abi, ou ta ummi, ou ton ami, ou ta amti, ou ton khali, ou ta khalti, etc. Et que tu leur dis, assalamu alaykum. En réalité, ça ne veut pas dire bonjour, ou bonsoir, ou salut. Ou wesh. Non, ça ne veut pas dire ça. Assalamu alaykum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, de protéger la personne que tu as saluée contre toutes les mauvaises choses. Ça veut dire quand tu dis assalamu alaykum à quelqu'un, tu demandes à Allah de le protéger contre le feu de l'enfer. Quand tu dis assalamu alaykum à quelqu'un, tu demandes à Allah de le protéger contre le châtiment, la punition que les gens peuvent avoir dans la tombe. Quand tu dis assalamu alaykum, tu demandes à Allah de protéger tout le monde, tous ceux à qui tu as salué, contre les maladies, contre la pauvreté, contre le fait qu'ils soient tristes, angoissés. Quand tu dis assalamu alaykum, c'est une cause pour que nous allons nous aimer tous ensemble. C'est pour cela qu'il est important. Il est important que le papa dise assalamu alaykum à ses enfants et que les enfants disent assalamu alaykum à leur papa et que la maman dise assalamu alaykum à leurs enfants, etc. Pourquoi? Parce que c'est une cause que nous allons tous nous aimer, le fait d'invoquer et le fait de dire assalamu alaykum. Donc lorsque tu dis wassalatu wassalamu ala rasulillah, tu dis, tu demandes à Allah la salat, c'est-à-dire tu demandes à Allah d'évoquer en bien le prophète alayhi salatu wassalam et tu demandes à Allah de préserver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wassalam contre toutes les mauvaises choses. C'est pour cela qu'on dit « wa salat wa salam » ala rasulillah, que la salat et le salam soient sur le rasulullah. C'est qui rasulullah? C'est qui rasulullah? Selim? Non, Allah c'est Allah, mais rasulullah, le messager d'Allah. Allah azza wa jal, il a choisi plusieurs êtres humains, plusieurs hommes pour devenir des prophètes. Et parmi eux, il a choisi un homme, un être humain, qui est le meilleur de tous les prophètes, le meilleur de tous les êtres humains. Comment il s'appelle?
Ahsanta, ahsanta. Il s'appelle le prophète Muhammad. Répétez Muhammad. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, qui est le meilleur des êtres humains, je dois l'aimer dans mon cœur. Je dois l'aimer encore plus que j'aime toute ma famille. Encore plus que je m'aime moi. Est-ce que tu t'aimes, toi? Oui. Tu t'aimes bien ou tu t'aimes pas? Oui. Si les enfants, c'est important, on doit bien s'aimer. Faut pas que tu te détestes quand tu te regardes. Ah, je m'aime pas. Ah, je suis petit, je suis grand, je suis moche, je suis. Ça, on ne dit pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'Allah, il t'a créé de la meilleure façon. Par contre, est-ce que tu aimes ta maman? Oui. Ta oumi? Non. Ton abi? Non. Tu les aimes bien ou pas? Ton muallim? Non. Ta muallima? Non. Ton akhi? Ton frère, ta ourti, non. Ta sœur, ah, attention les garçons, c'est important d'avoir un bon comportement envers sa sœur, qu'elle soit petite ou grande. Ça, le musulman, il doit avoir le meilleur comportement envers sa sœur. On aura l'occasion, Inch'Allah, un jour d'en reparler. Alors, on revient et on termine sur le fait que on aime tous ceux que l'on a cités, mais celui que tu préfères, celui que tu aimes le plus, celui qui passe avant tout parmi les êtres humains, parmi les personnes que tu aimes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on reprend. Bismillah. Bismillah. Wa salatu wa salam. Wa salatu wa salam. Ala rasulillah. Ala rasulillah. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma ftah li abwaab. Écoutez cette parole magnifique. Une fois que tu as dit bismillah, une fois que tu as prononcé le nom d'Allah, une fois que tu as prié sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, tu vas demander quoi à Allah? Tu vas demander à Allah de t'ouvrir les portes de sa miséricorde, de sa rahma. Et vous savez les enfants que personne ne peut rentrer au paradis tant qu'Allah ne lui a pas fait miséricorde. Et la miséricorde, le fait qu'Allah, il soit rahim. Allah Azza wa Jal, regardez ce que vous dites dans la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dis Bismillah et tu dis, donc au nom d'Allah, et tu dis qu'Allah il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal, en réalité, il est miséricordieux, il est bienfaisant, il est bon, il est gentil avec toutes les créatures. Même quelqu'un qui n'adore pas Allah, Allah il est gentil avec lui dans cette vie. Regardez, quelqu'un qui n'adore pas Allah, est-ce qu'Allah il lui donne l'air pour respirer? Non. Ben, si. Quelqu'un qui n'adore pas Allah, est-ce qu'Allah il lui donne l'eau pour boire et les aliments pour se nourrir? Allah, il est bon. Il leur donne des enfants, il leur donne des parents, il leur donne la santé. Il leur donne ces choses-là. C'est-à-dire qu'Allah, il est Rahman. Par contre, celui qui n'adore pas Allah, est-ce qu'il pourra avoir accès au paradis? Non. Non. Par contre, celui qui adore Allah mais qui commet des péchés, qui commet des erreurs, est-ce que même s'il a commis des erreurs, est-ce qu'Allah il va le mettre au paradis? Oui. Oui, parce qu'Allah il est Rahim. Parce qu'Allah il est Ar-Rahim. Et je terminerai les enfants sur cela. Sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est plus gentil envers nous que notre propre maman, elle est gentille avec nous. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme. Et cette femme faisait partie des prisonnières. Elle était prisonnière. Et d'un coup, cette femme, elle commence à chercher partout. Elle commence à avoir peur. Sur son visage, on ressent la peur. On ressent l'angoisse. On ressent la tristesse. Et elle cherche. En fait, cette femme, elle avait perdu son bébé. Imaginez-vous une maman
qui perd son bébé. Et elle le cherche partout, à gauche, à droite, elle regarde partout. Et d'un coup, elle retrouve son bébé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son enfant et elle le serre sur elle. Elle le colle, elle le serre sur sa poitrine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette scène, vous savez ce qu'il a dit? Il a regardé ses compagnons et il a dit, est-ce que vous pensez que cette femme peut prendre son bébé, le bébé qu'elle serre, qu'elle aime tant, et elle peut lui faire du mal en la jetant dans le feu? Est-ce que cette femme, elle va jeter son bébé dans le feu? Non. Non, parce que c'est son bébé, elle l'aime. C'est vrai ou pas? Eh bien, écoutez ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Allah est plus miséricordieux, Allah, il est plus gentil envers ses serviteurs, envers ceux qu'il adore, envers nous, que cette femme l'est envers son bébé. Ça veut dire que si tu continues toute ta vie, ce que tu fais maintenant, à venir à la mosquée, à apprendre le Coran, à faire tes 5 prières par jour, à adorer Allah, Allah tabaraka wa ta'ala te promet une énorme récompense, et c'est pour cela qu'à chaque fois que tu rentres, tu dis Allahumma ftahli abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de la miséricorde. Ouvre-moi les portes de la miséricorde, parce que lorsque tu rentres à la mosquée, tu viens pour gagner la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors que lorsque tu sors de la mosquée, tu dis Bismillah, répétez Bismillah. Bismillah. Wa salatu wa salam. Ala Rasulillah. Par contre, tu vas dire Allahumma inni as'aluk min fadlik. Quand tu dis cette invocation-là, vous avez vu la dernière phrase, elle change. Parce que lorsque tu sors de la mosquée, quand tu sors de la mosquée, tu sors avec ton pied gauche. Faites voir votre petit pied gauche. Très, là, Ibrahim, tu as 2 pieds gauche, toi. Alors, on écoute. C'est bon. J'ai vu vos petits pieds. On écoute. Qu'est-ce que l'on dit quand on sort de la mosquée? On dit Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je te demande tes grâces. Parce que lorsque tu sors de la mosquée, à ce moment-là, tu vas rechercher les bienfaits de ce monde. Dans ce cas-là, tu as besoin qu'Allah il t'aide. Tu as besoin qu'Allah il t'aide pour bien travailler à l'école, pour réussir dans tes études, réussir dans le sport, avoir un bon comportement à la maison avec les gens. Dans ce cas-là, tu demandes à Allah de t'aider par le fait qu'il te donne de ses grâces. D'accord les enfants? Donc on répète les 2 invocations et on termine le cours pour aujourd'hui. Donc la première, en entrant dans la mosquée, répétez. Vous la connaissez, je vous écoute. Attendez, quand je fais ça, c'est moi, regardez. Quand je fais ça, c'est moi. Quand je fais ça, c'est vous. C'est bon? Allez-y. Très, très bien. Donc là, vous avez dit l'invocation à dire en entrant à la mosquée. Maintenant, on va dire l'invocation à dire en sortant de la mosquée. Allahumma asimni mina shaytani rajim. Alors ici, bon, vous allez me faire continuer là, ça va pas. Et regardez, ici on a rajouté une chose très importante. C'est que dans les 2 cas, donc juste encore un tout petit peu d'attention, comme ça on aura complété ce que l'on dit en entrant et en sortant. Quand je rentre, je dis bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma aftahli abwab rahmatik. Et également, il y a une autre invocation à dire. On aura l'occasion bi'idhnillah un jour de l'expliquer. Regardez, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Ça veut dire que lorsque je rentre dans la mosquée, je demande à Allah de me protéger contre le shaytan. Et lorsque je sors de la mosquée, je dis bismillah
الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. Et en plus, ce que vous avez, ce que vous m'avez rappelé, بارك الله فيكم, اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. Ça veut dire que lorsque je sors de la mosquée, je demande aussi à Allah de me protéger contre le shaitan. Alors ça, c'est quoi la leçon que l'on peut tirer, les enfants? C'est que le shaitan, c'est notre ennemi. Le shaitan, c'est un ennemi. Le shaitan, même quand tu es à la mosquée, il veut t'égarer. Il veut te pousser à faire des bêtises. Alors on doit demander à Allah de nous protéger contre le shaitan. Et lorsque tu sors dehors, le shaitan, il veut te pousser aussi à faire des bêtises. Alors on demande, quand on sort de la mosquée, à Allah la protection contre le shaitan. Qu'on soit dans la mosquée ou à l'intérieur de la mosquée, on demande à Allah Azza wa Jalla la protection contre le shaitan. Et ça, c'est important, les enfants, que vous le sachiez. Shaitan, est-ce qu'il est fort, le shaitan? Non. Il est faible. Il est faible à quel moment? Au moment où on se rappelle d'Allah. Lorsque tu dis ces invocations, Allahumma asimni mina shaitani rajim, lorsque tu demandes à Allah de te protéger contre le shaitan, il devient plus petit qu'une mouche. Lorsque tu te rappelles d'Allah, il devient plus petit qu'une mouche. Il devient tout petit. C'est pour cela qu'Allah, il dit, al-waswas al-khannas, dans surat An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Écoutez ce verset. حسبكم. Les enfants, le Coran, quand vous récitez le Coran, c'est important de le comprendre. Donc là, on s'arrête sur ces mots. Tu demandes à Allah de te protéger contre le waswas, contre le mal, du waswas et du khanas. Shaitan, il est waswas. C'est-à-dire quoi, waswas? Il t'insuffle des mauvaises choses. À quel moment? Lorsque tu te rappelles pas d'Allah. Retenez ça toute votre vie, les enfants. Quand tu vas pas te rappeler d'Allah, Shaitan, il va t'embêter. Mais lui, il a pas de force. Juste, il te donne des insufflations. Il te dit, pense comme ça. Dis cela. Fais cette bêtise. Mais si tu te rappelles d'Allah, il devient khannas, il s'écarte, il s'enfuit parce que c'est un peureux, c'est un lâche. Vous savez qu'à chaque fois que tu pries, qu'est-ce qu'il fait, le Shaitan? Il pleure. Il pleure. Il pleure, le shaitan. Vous savez pourquoi il pleure? Parce qu'Allah, il lui a ordonné de se prosterner devant Adam pour saluer Adam et il a refusé. Et il dit, Allah, il m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé et j'irai en enfer. Et lui, quand il te voit prier, il dit, lui, Allah, il lui a ordonné de se prosterner et il l'a fait, il a obéi et il ira au paradis. Vous savez, quand il y a l'adhan, qu'est-ce qu'il fait, le shaitan? Quand on entend l'adhan, l'appel à la prière, vous savez ce qu'il fait? Il sort un gros bruit de son derrière. Et il se sauve. Et il se sauve. Pourquoi il fait ça? Pour pas entendre l'adhan. Regardez comment Shaitan, il est mauvais. Comment Shaitan, il est lâche. Comment Shaitan, il est faible. Et la dernière chose, les enfants, c'est très important que vous le compreniez. C'est quoi? C'est que si tu souhaites que Shaitan ne te fait pas de mal, parce que Shaitan, lui, il te voit. Est-ce que toi tu vois le shaitan? Non. Nous on le voit pas, mais lui il nous voit. Donc c'est un ennemi qui est dangereux pour nous, c'est vrai ou pas? T'as un ennemi, tu sais pas par où il va arriver. Mais là, Allah Azza wa Jalla, il nous a donné une arme. Allah, il nous a donné quelque chose de très important, c'est quoi? C'est de demander à Allah. Pourquoi on demande à Allah? Parce qu'Allah il voit shaitan et shaitan il peut pas voir Allah. Est-ce qu'Allah il voit le shaitan? Non. Allah il voit tout. Est-ce que le shaitan il voit Allah? Non. Donc qui est le plus fort? Allah. Qui est le plus grand? Allah. Qui est celui à qui on doit toujours demander de nous protéger? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc les enfants, ça a été un plaisir pour moi de venir vous donner ce petit cours et j'apprends beaucoup de choses aussi de votre part. Donc je vous remercie et je remercie vos mu'allimoun et vos mu'allimat. Barakallahu fihim wa barakallahu fihin wa jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة.